le titre de cette conférence est Inhibition et correction d'erreur dans le cerveau humain. Et la façon dont nous pouvons, en France en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, sensibiliser les sciences de l'éducation à la perspective, on va dire, neuropédagogique, est l'analogie que l'on peut faire et que Piaget faisait déjà avec la médecine, à savoir que tout le monde s'accorde sur l'idée que la médecine, c'est un art, ça doit rester un art, ça reste dans l'interaction intime du médecin avec son patient, toujours quelque chose d'intuitif, de relativement humain et personnel. Néanmoins, personne n'accepterait l'idée dans la société que la médecine ne soit pas informée des avancées scientifiques les plus récentes. Et donc, ma conviction, et la vôtre aussi, je pense, est qu'il en est de même pour l'éducation et que l'on peut s'attendre de tout éducateur, que ce soit à l'école maternelle, élémentaire, secondaire ou à l'université, qu'il soit tout au long de sa carrière informé des avancées scientifiques les plus récentes. Et l'organe dont il s'agit est évidemment dans ce cas, même si ça n'exclut pas le corps et les émotions, mais l'organe dont il s'agit est le cerveau, et l'on a depuis quelques décennies, grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle, des connaissances, ainsi que vous l'avez évoqué, nouvelles, y compris au cœur du changement conceptuel, dont on ne peut pas faire l'économie dans les aspects les plus pratiques de la méthodologie éducative. Et dans ce cadre-là, mon laboratoire a en effet mené un bon nombre de recherches, d'abord comportementales et ensuite d'imagerie cérébrale, sur l'idée d'inhibition, au sens positif du terme, en tant que fonction exécutive qui permet la flexibilité mentale, le changement de stratégie, le changement conceptuel au cours de l'apprentissage, cela dès le plus jeune âge. Et ce qui vous a intéressé, je pense, dans l'usage que vous avez fait de mes premiers travaux, c'est que ça reste aussi vrai chez l'adulte. Et lorsqu'il y a des blocages, des biais de raisonnement, des heuristiques qu'il s'agit de surmonter. Alors, la discipline concernée, donc on sait que pour la médecine, ce sont essentiellement les sciences biomédicales qui alimentent la médecine, les neurosciences pour la question du vieillissement, par exemple, comme la maladie d'Alzheimer. Dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs disciplines possibles, mais celle qui est au cœur, je pense, de ce qui doit orienter les sciences de l'éducation et la psychologie scientifique dite expérimentale du développement cognitif de l'enfant. Donc le laboratoire du CNRS que je dirige est consacré à ces questions et notre cœur de métier est de comprendre comment du très jeune enfant jusqu'à l'adulte se met en place l'architecture cognitive. De ce point de vue-là, pour dire les choses simplement, l'éducation doit aider les enfants, adolescents et adultes, à construire cette architecture cognitive. En quelques mots, c'était déjà vrai à l'époque de la théorie piagétienne, et même si on a considérablement renouvelé à la fois les modèles, les technologies d'exploration de cette architecture cognitive, Piaget en avait déjà eu une formidable intuition, à savoir que c'est vrai en général et c'est vrai dans le domaine de la construction des connaissances scientifiques. La première chose que le bébé doit construire au cours de son développement, c'est l'unité, la permanence de l'objet. Vous percevez cette bouteille, si je la fais disparaître derrière moi, il est évident pour tous vos cerveaux qu'elle continue d'exister. Immédiatement, première forme d'inférence qui est à la base de l'intelligence humaine, la permanence de l'objet. Si je la cache partiellement derrière cet écran, il est évident pour vous qu'il ne s'agit pas d'un tiers de bouteille, mais d'une bouteille complète, c'est l'unité de l'objet. Et donc cette première brique de l'architecture cognitive se construit, mais déjà, pas d'exposé là-dessus, mais j'ai écrit des choses que je pourrais vous communiquer, déjà par des mécanismes d'inhibition, d'activation entre des concepts de la permanence de l'objet potentiellement différents qui entrent en compétition. Lorsque le cerveau du bébé a découpé l'environnement physique et social qui l'entoure, c'est-à-dire des objets physiques comme cette bouteille ou humains, en multitude d'objets uniques et permanents, pour le reste de la vie, dans l'éducation en général et dans l'éducation aux sciences en particulier, le cerveau fait et peut faire deux choses par rapport aux objets, soit un traitement quantitatif, ce sera le nombre, qui via le développement cognitif et l'éducation scolaire conduira aux mathématiques, traitement quantitatif des objets, soit un traitement qualitatif, selon donc les qualités, la forme, la fonction, la couleur, et c'est ce qui conduira dans les formes les plus abstraites aux taxonomies ou taxinomies, qui est l'équivalent pour le traitement qualitatif des objets, c'est-à-dire pour la catégorisation de ce que sont ou ce que deviendront
les mathématiques pour le nombre. Et pendant une période assez longue du développement de l'enfant, ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs des objets uniques et permanents portent ou en tout cas s'opèrent toujours en référence à du concret, tel l'exemple de cette bouteille ou tout autre objet. Même s'il est mémorisé dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est quand même une mémorisation d'objets concrets lorsqu'ils sont, comme dans le cas de la permanence de l'objet, perceptivement absents. Et à un moment donné du développement, et c'est là où sans doute le cerveau humain atteint toute sa puissance, toute sa force, qu'il a acquise à travers l'évolution phylogénétique, à un moment donné du développement, ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs ne portent plus seulement sur des objets concrets, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, et c'est là où le cerveau accède à cette capacité de raisonnement qui est notamment hypothético-déductive, il y a d'autres formes de raisonnement, mais notamment le raisonnement hypothético-déductif qui va également structurer le cerveau et compléter en quelque sorte cette architecture cognitive fondamentale. Donc, ce sont tous ces domaines qui sont, j'ai annoncé que vous vous feriez gronder, ce sont tous ces domaines qui fondent l'architecture cognitive et qu'on explore donc dans nos recherches de laboratoire. Alors, quelle est la dynamique de la construction de cette architecture cognitive? L'un des modèles, Piaget bien évidemment, mais beaucoup d'autres, et encore actuellement, psychologues du développement, ont cette conception relativement hiérarchique et linéaire, par grands stades, correspondant aux âges du développement, de construction de ces notions d'objet, de nombre, de catégorisation et de raisonnement. Depuis une dizaine d'années environ, les modèles néo-piagétiens ont clairement démontré, tant en psychologie expérimentale qu'en neurosciences cognitives, la complexité plus grande du développement de cette architecture cognitive sous forme, et c'est un concept emprunté à la physique, sous forme de systèmes dynamiques non linéaires, à savoir qu'à tout âge du développement peuvent entrer en compétition des stratégies qui sont symbolisées ici par ces vagues, c'est Ziegler qui a fait la première démonstration de ce modèle, et la fréquence d'usage des stratégies peut varier fortement selon l'âge, le contexte, la résonance qui va s'opérer à un moment donné entre les réseaux neuronaux dans le cerveau et la situation face à laquelle l'enfant ou l'adulte est exposé. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'un apprentissage antérieur et nouveau ne va pas être sans incidence sur un autre apprentissage en train de se faire. Ce qui crée cette idée plus complexe, dynamique et non linéaire du développement. Et dès l'instant, et c'est là que mon laboratoire a apporté une contribution, une intuition scientifique, il y a une quinzaine d'années qu'on a cessé de développer après, dès l'instant où vous n'êtes plus comme Piaget dans un système linéaire et hiérarchique de stades, dans ce cas-là, changement conceptuel, c'est pas de concept ou concept, avec bien sûr parfois des choses plus fines, mais l'idée de base est celle-là. Quand un enfant se trompe dans une épreuve piagétienne de conservation, on dit qu'il est non conservant, il n'a pas la conservation du nombre. Ensuite, il l'acquiert. Dans les systèmes dynamiques non linéaires, peu à peu, on s'est rendu compte que l'enfant pouvait avoir une capacité très précoce, toutes les découvertes sur les capacités précoces du bébé, mais que néanmoins, le même bébé ou enfant observé plus tard va, face au cerveau, pour dire les choses vite, va se faire court-circuiter par une autre stratégie cognitive en construction qui fait que l'enfant fera des erreurs qu'il ne devrait pas faire compte tenu des compétences précoces qu'il a ou qu'il avait déjà développées étant bébé. Donc, dès ce moment-là, le concept d'inhibition devient évident. C'est la clé de la flexibilité cognitive. Et s'il y a compétition entre plusieurs stratégies et que celle qui domine n'est pas celle qui va correspondre à la meilleure logique ou compréhension scientifique, pour un exemple des sciences, de la situation, il faut, et je vous le fais de façon gestuelle, vous voyez ces doubles flèches, il faut désengager celle qui est prédominante, c'est-à-dire l'inhiber temporairement. Ce n'est pas une inhibition définitive, c'est une inhibition dynamique, exécutive en mémoire de travail, il faut l'inhiber, flèche rouge, et il va falloir activer une stratégie qui est soit déjà totalement là et construite, c'est très souvent le cas, soit doit être construite, mais doit, pour être construite ou complexifiée, dégager de la stratégie dominante qu'il faut inhiber. Et c'est donc ce jeu d'inhibition et d'activation qui crée la flexibilité cognitive et dont on a découvert, par de nombreux travaux dont je vais vous donner quelques exemples, qu'elle est au cœur, cette dynamique exécutive d'inhibition et d'activation, quelle est au cœur de la construction
de l'architecture cognitive précédemment énoncée, objet, norme, catégorisation et raisonnement. Et la thèse principale est que le cerveau doit apprendre à résister, hein, et notre cerveau ne fait que ça tout au long de la vie, résister aux biais, résister aux réponses dominantes. La résistance, en termes plus techniques, c'est l'inhibition. Il doit apprendre à résister pour corriger ses erreurs. Et d'un certain point de vue, même bien au-delà de la science, on peut penser que toute l'humanité, tout ce qu'il y a de réellement humain en nous, réside dans cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport à ses biais, par rapport à ses erreurs, pour aller plus loin. Et en fait, la pensée, si on s'aventurait à définir rapidement la pensée, moi je dirais que la pensée, c'est toujours être ailleurs. C'est-à-dire ailleurs de ce que pensent les autres, ailleurs de ce qu'on pense soi-même, et pour être... Alors, sinon c'est la pensée commune, bien sûr, elle existe aussi. Mais penser, c'est toujours être ailleurs. Créer, c'est toujours être ailleurs. Et pour être ailleurs, eh bien, il faut faire ces jeux d'inhibition et d'activation entre différentes stratégies qui s'offrent à nous. Par rapport à l'éducation, si le développement du cerveau et de l'architecture cognitive qu'il permet de l'objet au raisonnement passe par cette capacité exécutive d'inhibition, il faut savoir que, et c'est un message à donner aux sciences de l'éducation, on a tout le temps. Le calendrier est extrêmement long en termes de maturation cérébrale. Vous avez ces courbes en U inversées qui correspondent à ce qu'on appelle le darwinisme neuronal, c'est-à-dire que vous avez d'abord une multiplication synaptique très importante, ces courbes qui croisent, et ensuite, au cours du temps, une sélection, un élagage qui caractérise l'apprentissage. L'information de ce schéma, aujourd'hui très connue, mais qui a pu être confirmée par l'imagerie anatomique, par résonance magnétique anatomique, est que de la naissance à l'âge adulte, vous avez des courbes très différenciées, très décalées dans le temps de maturation selon les grands systèmes cérébraux impliqués. Et celui dont on vient de parler, c'est-à-dire le cortex préfrontal, que vous voyez en bleu-violet sur ce schéma, c'est-à-dire là où le bleu-violet indique la diminution du volume de matière grise et là où elle se fait le plus tardivement, le cortex préfrontal mature tout au long de l'ontogenèse, de la naissance à l'âge adulte, et reste donc à la fois en construction, fragile et objet d'intervention et de méthode éducative. Et donc ça, c'est fondamental, il faut bien faire comprendre, je sais que vous êtes convaincus, mais il faut bien faire comprendre à la communauté des sciences de l'éducation que neurosciences, ça peut faire penser à génétique, un cerveau déjà très cristallisé, très construit, mais c'est en aucunement antinomique d'éducation et d'intervention pédagogique, parce qu'au contraire, les choses sont en construction, matures et en même temps sont fragiles. Et c'est pourquoi, tout au long du développement, y compris chez l'adulte, dans des tâches pourtant de logique élémentaire, il y a des erreurs, des biais de raisonnement liés au défaut d'inhibition, sous-tendus par le cortex préfrontal, de stratégies en compétition. Sachant que, pour revenir à la diapo précédente, ces fonctions exécutives, E pour exécutive, d'inhibition et d'activation que j'ai décrites très rapidement et qui peuvent être modélisées en mémoire de travail. La mémoire de travail est représentée par ce carré. Donc là, vous avez une microgenèse d'inhibition et d'activation en mémoire de travail qui peut durer quelques minutes, dizaines de minutes, au cours d'un apprentissage dans le cerveau, comme je vous montrerai dans l'exemple suivant, qui peut aussi durer quelques dizaines de millisecondes lorsqu'on fait un paradigme de chronométrie mentale, de negative priming, ou beaucoup plus longtemps dans des séquences d'apprentissage plus importantes. Premier exemple, on va commencer par la fin du développement. C'est aussi une façon de rentrer en résonance avec ce que vous faites, puisque vous travaillez essentiellement didactique des sciences chez l'adulte. Et je donnerai après un exemple au cœur du développement cognitif de l'enfant qui porte, comme vous l'avez cité tout à l'heure, sur la conservation du nombre. Donc, si on prend ce cas de figure-là, tout au bout du développement, on va remarquer que cette stratégie d'inhibition et d'activation est encore totalement indispensable aux jeunes adultes pour le changement conceptuel. Selon la théorie piagétienne, que vous connaissez sans doute bien tous, dès l'adolescence et l'âge adulte, le cerveau humain est dit au stade 4, c'est-à-dire le stade opératoire formel. Ce qui veut donc dire que pour, en tout cas, des tâches de logique déductive élémentaire, tout le monde doit réussir, pour dire les choses simplement. Piaget avait prévu des décalages, des choses exceptionnelles, mais pour une partie tout à fait limitée de la population et pour des tâches très complexes.
Et ce que l'on a découvert, nous et d'autres, hein, Daniel Kahneman, comme vous savez, prix Nobel d'économie et psychologue, a découvert des tas d'heuristiques, des tas de biens de raisonnement depuis les années 80. Ce qui a été découvert, c'est que les erreurs, les biais de raisonnement, ce n'est pas l'exception, comme le décrivait Piaget dans ses décalages horizontaux-verticaux, c'est la règle. Le biais, l'erreur, est au cœur des fonctionnements que l'on observe, en tout cas dans un bon nombre de tâches. Donc, ce que nous avons montré, c'est que on pouvait penser que le cerveau était nécessairement non logique, non rationnel, ce que beaucoup de psychologues du raisonnement ont avancé jusque encore il y a très peu de temps. Nous, on a avancé l'idée que, par exemple, la stratégie 4, qui serait la stratégie logique construite à l'adolescence, peut ne pas être dominante dans la réponse par défaut d'inhibition d'une autre stratégie plus archaïque, plus intuitive, pour reprendre les termes dans votre conception, par exemple très perceptive. Et ça, c'est la toute première recherche que nous avons réalisée. Je pense que c'est ainsi que vous avez découvert les travaux de notre laboratoire. Et je dois le dire, quand on l'a faite, on ne s'en rendait pas compte. Mais aujourd'hui, avec le recul, on éprouve une certaine joie à l'idée que cette recherche était, avec les technologies émergentes de l'époque, la toute première recherche scientifique à avoir été faite sur on va dire, la neuropédagogie du changement conceptuel dans le cerveau humain. Comment avons-nous procédé? Donc, on a utilisé une tâche que vous avez sur cet écran, dont la règle, très rapidement, je vous l'indique, est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Les individus qui ont à résoudre cette tâche disposent de 12 formes géométriques. Carré, bleu, losange, cercle, bleu, jaune, rouge ou vert, doivent sélectionner avec la souris deux formes géométriques, en disposer une à gauche, l'autre à droite, de telle sorte qu'ils rendent cette règle fausse. La table de vérité logique, la théorie formelle de Piaget, mais également les tables de vérité depuis Aristote, prescrivent que dans ce cas-là, on sélectionne un antécédent vrai et un conséquent faux. Antécédent vrai et conséquent faux, c'est par exemple un carré bleu qui n'est pas un carré rouge. L'antécédent est vrai. Il s'agit donc, c'est un problème de falsification de règles conditionnelles. C'est un jeu d'esprit, donc qui consiste à rendre cette règle fausse. Antécédent vrai, par exemple, un carré bleu qui n'est pas un carré rouge, ou toute autre forme qui ne soit pas un carré rouge. Et conséquent faux, le conséquent, c'est il y a un cercle jaune à droite. Par exemple, réponse logique, c'est un losange vert. Donc, carré bleu, losange vert est une réponse correcte. Vous pressentez déjà, je le dis rapidement, s'agissant d'un exposé court, que ça exige l'inhibition de deux éléments très présents dans la règle, de carré rouge et de cercle jaune. Et de fait, la grande majorité des adultes, et c'est un résultat qui était observé, répliqué dans le monde entier, donne comme type de réponse à cette épreuve carré rouge, cercle jaune. Ils raisonnent, plus ou moins, se disent, bon, il y a une négation dans l'antécédent, on me demande de rendre la règle fausse, donc si je reprends exactement, reprendre exactement, ça s'appelle dans cette littérature scientifique, la stratégie d'appariement perceptif, le perceptual matching bias, reprendre directement les éléments cités dans la règle, est la réponse la plus fréquente que vous voyez sur cet histogramme bleu clair. La réponse logique que je vous ai énoncée en premier pour vous faire comprendre l'algorithme logique d'antécédents vrais, conséquents faux qui permet de résoudre cette tâche, est extrêmement minoritaire. Or, pour ceux qui la connaissent, c'est évident, pour ceux d'entre vous qui la découvriraient, c'est une tâche de logique déductive élémentaire. Une tâche extrêmement simple, on sait tous que pour rendre une règle fausse, il faut que l'on, en justice ou dans les schémas de permission depuis qu'on est très jeune enfant, il faut un antécédent vrai et un conséquent faux. Cette règle est systématiquement transgressée par les individus. Donc là, on s'est dit, contrairement à ce qui se disait dans la littérature de l'époque, Piaget n'avait pas tort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique hypothético-déductive dans le cerveau. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'est pas spontanément utilisée. Et à ce moment-là, prend tout son sens l'inhibition. Donc vous avez ici une méthode éducative, un apprentissage expérimental, ou sur une autre tâche, très connue également en raisonnement, que je ne détaille pas là, mais qui est une tâche strictement isomorphe du point de vue de la logique exécutive que l'on souhaite tester. C'est une tâche qui déclenche également un biais d'appariement perceptif, qui est donc l'heuristique, le biais à inhiber, qui sont les réponses A et 3 qui correspondent aux éléments cités dans la règle, et qui, pour être correctement résolues, nécessitent d'inhiber ce biais d'appariement perceptif pour activer une solution logique qui est antécédent vrai, conséquent faux. Il fait que c'est une tâche où il faut retourner, y compris la carte 7, pour bien vérifier qu'on n'est pas dans une situation antécédent vrai, conséquent faux. Sans rentrer dans le détail de cette tâche, elle permet de faire un apprentissage métacognitif, qui va porter sur l'inhibition du biais perceptif
stratégie intuitive et l'activation de la réponse logique antécédent vrai, conséquent faux. Et lorsque vous réalisez cet apprentissage en situation très naturelle, didactique, face au sujet, avec du papier crayon ou un ordinateur qui symbolise ce mécanisme exécutif où il doit bloquer. Mes collègues reparleront demain de l'attrape-piège, parce qu'on utilise cette situation dès l'école maternelle en appelant l'attrape-piège. Il faut bloquer la réponse spontanée. Par exemple, ce serait carré, rouge, cercle, jaune, ici c'est A3, et explorer, celle-là étant bloquée, c'est un jeu, c'est ludique, on ne peut plus l'utiliser, explorer d'autres capacités possibles sans nécessairement apprendre la logique de la tâche, simplement exercer au mécanisme exécutif de blocage et d'inhibition. On peut se dire, bon, ben, c'est très simple, est-ce que ça va marcher? C'est peut-être quand même l'explication de la logique de la tâche qui est utile. Donc nous avons, d'une part, testé cela comportementalement, et en effet, lorsque l'on explique la logique de la tâche dans la tâche d'apprentissage, les individus finissent par réussir parce qu'ils comprennent quand même la logique de la tâche. Mais on n'observe aucun transfert dans la tâche initiale qui est très différente, puisqu'ici vous avez des cartes avec des chiffres et des lettres, et là vous avez des formes géométriques colorées. Donc notez au passage qu'on est bien dans l'architecture cognitive parce que cette capacité de raisonnement présuppose des capacités de catégorisation, donc de traitement qualitatif des formes et des couleurs. Si on faisait un travail sur les syllogismes avec des quantificateurs, ça supposerait le nombre, etc. Donc, mais en aucun cas, l'apprentissage logique sur cette tâche-là ne peut être directement transféré sur cette tâche-ci qui a donné un pré-test et un post-test. Donc, pré-test, cette tâche-là, post-test, cette même tâche, et entre les deux, soit un apprentissage logique sans inhibition, soit un apprentissage avec inhibition. Et dans ce cas-là, vous observez un shifting comportemental, donc une correction d'erreur, qui est le thème de cette conférence, une correction d'erreur uniquement dans le groupe qui ont eu l'apprentissage à l'inhibition, pas chez tous. Ce qui corrobore cette idée de départ, c'est que c'est très fragile encore l'exécutif et le cortex préfrontal, y compris chez l'adulte, et que donc ces apprentissages ne marchent pas dans tous les cas, mais sont en tout cas efficaces, statistiquement significatifs. Et la découverte que l'on a pu réaliser, c'est que lorsqu'on reprend toute cette même procédure en imagerie cérébrale, on observe les réseaux cérébraux très contrastés qui correspondent à ces deux étapes de l'apprentissage. On peut dire autrement du changement conceptuel, on peut aussi dire de l'abstraction, de la flexibilité. Lorsque les individus répondent carré rouge, cercle jaune, vous voyez que c'est toute la partie postérieure du cerveau, c'est-à-dire non frontale, toute la partie postérieure du cerveau qui est engagée, qui est une partie très visio-spatiale. Et lorsque, après apprentissage, uniquement chez ceux qui ont corrigé l'erreur, donc qui sont par exemple passés de carré rouge, cercle jaune à carré bleu, losange vert, lorsqu'il y a cette correction d'erreur, dans ce cas-là, et seulement dans celui-là, on a une bascule postéro-antérieure vers le cortex préfrontal qui fait que se met en marche l'exécutif, l'inhibition, que les individus inhibent leur première réponse dont ils étaient convaincus qu'elle était correcte. C'est aussi un résultat sur la prise de conscience des erreurs, parce que quand vous interrogez avec des échelles les individus sur leur première réponse, carré rouge et jaune, ils sont convaincus qu'elle est correcte. Après, ils se rendent compte de l'erreur, ils l'inhibent et vont activer cette fois ce que Piaget aurait prédit, mais pas spontanément ici, ils vont l'activer après un apprentissage à l'inhibition, là, à la fois les aspects logiques et exécutifs. À partir de ce résultat, on va dire, biologique, qui montre qu'en effet, un apprentissage fait entre des humains, donc on est au cœur des sciences de l'éducation, entre deux humains hors caméra d'imagerie cérébrale, a un impact sur les comportements, ça on le savait déjà fort longtemps, mais selon le type d'apprentissage que vous faites, il y a ou non un impact sur le comportement, et si cet impact sur le comportement s'observe, il a une réalité biologique très forte dans un cas comme celui-là dans le cerveau, puisqu'on voit que des mêmes individus à des moments différents vont utiliser deux parties tout à fait différentes de leur cerveau. C'est donc un résultat sur la variabilité en psychologie différentielle intra-individuelle chez des ados et chez des adultes. Donc on est dans un cas de figure où les choses sont encore extrêmement mobiles en termes d'apprentissage, alors qu'on est vraiment au sommet des stades piagétiens précédemment décrits. Ces techniques d'apprentissage, vu leur validité démontrée chez l'adulte, et ce sera mon dernier exemple, vu l'importance que l'on suspecte de ces processus d'inhibition chez l'enfant, font l'objet, par notre équipe, de toute une série d'adaptations dès l'école maternelle. Vous voyez ici un groupe d'enfants, ce que c'est une pédagogie qui peut aussi se faire en petits groupes, qui présentent le même blocage, la même difficulté dans une tâche logico-mathématique ou dans une tâche d'orthographe ou d'autres choses, apprennent à
bloquer, à inhiber leur réponse spontanée, ce qui n'est pas facile mais qui les amuse. Ils doivent tous en même temps inhiber leur réponse spontanée et puis explorer des petits cartons réponses, d'autres réponses possibles. Au Canada, Diamond, qu'on vient de rencontrer avec mon équipe à Toronto ces derniers jours, développe des apprentissages comparables, mais sur d'autres types de tâches, et donc qui sont des apprentissages aux fonctions exécutives qui peuvent se faire dans le domaine, là, par exemple, du commentaire et de la lecture d'un livre ou dans le domaine du comptage. Le deuxième exemple sur lequel je terminerai est celui du nombre. Pour prendre un exemple plus simple, on va être au milieu de l'architecture cognitive que je vous ai décrite. On va voir que dans un domaine très différent, il y a des âges différents, on retrouve le même type de difficulté et de nécessité d'intervention pédagogique sur l'inhibition, avec une stratégie dominante, une heuristique qui va progressivement se construire et des compétences très précoces relatives au nombre découvertes ces deux dernières décennies et qui ne sont pas nécessairement utilisées par les enfants. Alors cette tâche très connue qui a fait le tour du monde, tâche piagétienne de conservation du nombre est telle que si sur un écran d'ordinateur ou sur du papier crayon, vous présentez ces deux alignements d'objets à un enfant et que vous lui demandez s'il y a le même nombre ou pas le même nombre au-dessus et en dessous de la ligne, à peu près tous les enfants d'école maternelle vous diront oui, c'est pareil, il y en a le même nombre. Et si juste après, vous opérez une transformation visio-spatiale qui fait que le nombre reste identique mais que la longueur augmente, jusqu'à 7-8 ans, tous les enfants du monde vous répondent « Ah ben non ». Là, il y en a plus, ou t'en as mis plus, parce que c'est plus long. Vous avez donc là, c'est l'équivalent de l'appariement perceptif pour le raisonnement logique tout à l'heure, vous avez une stratégie heuristique dominante, je reviens un instant sur le schéma, vous avez une stratégie heuristique dominante, qui est longueur égale nombre, qui est une stratégie très efficace, très automatique, qui va dominer la réponse de l'enfant et que l'enfant ne parvient pas à inhiber. Piaget considérait que s'il n'inhibait pas, enfin, il ne parlait pas en termes d'inhibition, mais que s'il ne corrigeait pas l'erreur de conservation du nombre, c'est parce qu'il n'avait pas encore une notion, une conception du nombre suffisamment solide pour réussir, d'où son stade de non-conservation du nombre et de conservation du nombre. Alors, au niveau comportemental, ça reste vrai. On observe toujours ces deux niveaux de performance. Mais on peut complètement changer l'idée de ce qui se passe dans le cerveau des enfants à partir du type d'analyse que je viens de vous présenter. C'est ce que l'on a fait. Et la première chose, c'est qu'il faut se dire, mais est-ce que réellement c'est un stade dans le cerveau de l'enfant, c'est le stade intuitif dit longueur égale nombre, ou simplement une stratégie qui existe toujours chez vous et chez moi, comme chez les enfants plus grands et chez les adolescents. J'étais un peu en avance tout à l'heure, donc je regardais la salle vide, donc qu'avec des objets physiques qui s'appellent des chaises, toutes ces chaises sont rouges, devant il y en a 14, à l'arrière il y en a 10. Et donc, la stratégie longueur égale nombre, elle saute aux yeux dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin de compter pour savoir s'il y a moins de chaises devant que derrière. On applique immédiatement longueur égale nombre. C'est vrai dans les supermarchés, c'est vrai dans les livres de maths pour petits, où de façon explicite, on leur apprend les chiffres de 1 à 10 et vous voyez une girafe, deux hippopotames, trois crocodiles. Donc, apprentissage explicite. On apprend aux enfants la suite des nombres et leur étiquetage linguistique. Mais notre cerveau, dès la naissance et pour toute la vie, est, vous le savez, un grand détecteur de régularité. Et ce que le cerveau détecte, c'est la régularité entre... Enfin, qu'il détecte aussi, c'est la régularité entre longueur égale nombre. Il va donc construire une heuristique selon laquelle, en général, longueur est égale à nombre. Et vous aviez dans ce livre pour enfants, on examinait ainsi toute la littérature enfantine dans ce domaine, en plus cette échelle sur laquelle est dessiné un petit rongeur, et en termes mathématiques, bien, c'est une fonction linéaire entre le nombre et la longueur. Donc on sait très bien, peu de monde l'avait vu, et Piaget n'avait absolument pas perçu ça, que l'environnement perceptif de l'enfant va suractiver des stratégies qui sont correctes en tant que telles, mais qui vont l'induire en erreur lorsqu'il sera confronté à la tâche piagétienne. Donc une heuristique, c'est une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Donc longueur égale nombre, c'est une heuristique. L'appariement perceptif que je vous décrivais tout à l'heure, c'est une heuristique. Et l'algorithme, c'est une stratégie plus coûteuse cognitivement, qui nécessite de la mémoire de travail, mais elle, plus analytique, c'est par exemple antécédent vrai, conséquent faux, pour l'exemple du raisonnement logique que je vous donnais tout à l'heure. L'algorithme, c'est ici le comptage, et le double comptage. Si l'enfant compte et qu'il compte deux fois, il doit réussir, puisqu'il va bien compter qu'il y en a
7 ici et 7 ici, 2 fois 7 c'est pareil, or il répond ce n'est pas pareil, donc il ne parvient pas à inhiber cette heuristique longueur égale nombre, et l'algorithme à la différence de l'heuristique est une stratégie qui conduit toujours et nécessairement au bon résultat. Antécédent vrai, conséquent faux pour le problème de logique, comptage pour ce cas-ci. Néanmoins, même si notre cerveau a des algorithmes, il est aussi plein d'heuristiques qui entrent en compétition. Et la grande difficulté dans ce cas-là de l'enfant, ce n'est pas tant d'activer... Je vous vois regarder votre montre et j'ai presque terminé. Ce n'est pas tant d'activer la stratégie de comptage ou des stratégies plus arithmétiques dont il a maintenant été clairement démontré qu'elles existent au niveau visio-spatial et aussi au niveau, on va dire, logico-linguistique plus précoce, ça va être d'inhiber longueur égale nombre. Alors, on a différentes façons de le démontrer, soit par des paradigmes de temps de réaction, la chronométrie mentale. Vous voyez que chez un enfant qu'on va exposer à l'interférence entre le nombre et la longueur comme Piaget, juste après, on va lui présenter un écran où l'heuristique longueur égale nombre qu'il a inhibé ici est activé là, puisque là, en effet, c'est comme l'exemple des chaises dans cette salle que je vous montrais, on a bien la covariation longueur égale nombre qui est l'heuristique qui marche. Donc, la plupart des cas, les heuristiques marchent, et il faut les activer, puisqu'on nous demande, pour être intelligent, de répondre vite et bien. Simplement, dans ce cas de figure-là, l'enfant va devoir désinhiber une stratégie qu'il vient d'inhiber. Et ce temps de désinhibition dans la littérature expérimentale s'appelle le negative priming, qui est l'inverse de l'amorçage positif et qui, pour nous, est une preuve, une démonstration de l'amorçage négatif. Et on a en effet découvert que les enfants mettent plus de temps dans une condition test, qui est celle-là, pour ce deuxième item, que dans une situation contrôle qui correspond au contrebalancement de l'ordre. Grégoire Bortz, qui vient de l'université de Harvard et qui a rejoint notre labo, est en train de reprendre ce paradigme à peu près dans toutes les tâches piagétiennes clés et montre aussi des métapriming entre tâches parce que pour nous, vous comprenez que par cette entrée-là, ça fait quand même bouger l'édifice piagétien. Et il était irrésistible, évidemment, grâce à ces perspectives de neuroéducation, d'imagerie cérébrale, de refaire tout ce travail avec des enfants dès l'école maternelle de grande section qui seront confrontés à cette tâche emblématique, parce que le génie de Piaget était de découvrir ces tâches quand même qui, même s'ils ne pensaient pas qu'elles testaient l'inhibition, on sait aujourd'hui que ce sont des magnifiques tâches d'inhibition et pas comme le font tous les neuropsychologues, que nous aimons beaucoup par ailleurs, mais pas comme font tous les neuropsychologues simplement dans des tests exécutifs pour le test exécutif, mais des fonctions d'inhibition dans des tâches qui nous intéressent au point de vue logico-mathématique, au point de vue scolaire, au point de vue scientifique. Et donc, au cœur de cette tâche-là, on a pu montrer, on a fait une expérience avec une grande cohorte d'enfants de la grande section maternelle au CM2, donc en France, c'est de 4-5 ans à environ 10-11 ans, on a pu découvrir les régions qui sont à chaque fois plus activés quand l'enfant va réussir la conservation du nombre par rapport aux enfants qui échouent. On fait donc une différence entre les deux qui vous donnent ces images cérébrales. Et on observe d'une part le sillon intrapariétal, très connu par son application dans le nombre, en France par les travaux de Stanislas de Haan ou d'autres à l'étranger, mais aussi et surtout, vous voyez qu'il y a tout un réseau préfrontal qui est absolument nécessaire à la réussite de cette tâche, qui est plus fortement recruté par les enfants qui réussissent. Et ce réseau préfrontal, nous avons pu démontrer pour l'une de ces régions qui est le cortex préfrontal inférieur droit, très connu dans la littérature pour être impliqué dans le contrôle inhibiteur, mais il fallait le démontrer dans cette tâche-là, qu'elle, donc son activation dans la réussite à la conservation du nombre piagétien est corrélée avec un test de Stroop que l'enfant réalise par ailleurs à l'école, dans une batterie très écologique, on va dire, une batterie papier-crayon qu'il fait à l'école. Donc, c'est une façon de... On identifie d'abord les régions du progrès cognitif dans une tâche piagétienne. On voit que ce sont des régions pariétales, ce qui est logique pour le nombre, mais aussi préfrontales. Et dans ces régions préfrontales, alors, on peut utiliser les tests exécutifs classiques, comme le Stroop ou d'autres, pour voir si, en effet, on peut interpréter le rôle de cette région dans la tâche piagétienne comme une plus grande efficience inhibitrice. Ces recherches sont faites dans la recherche, magazine La Recherche, bon, elles sont publiées dans des revues scientifiques anglophones, comme vous l'imaginez, mais ce qui est important aussi pour la diffusion des connaissances scientifiques, c'est qu'en France en tout cas, bon, je pense que ce magazine est diffusé au Canada, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de réceptivité, donc on a de la chance d'avoir une très large couverture médiatique de nos travaux, et la recherche y a non seulement consacré un numéro spécial pendant qu'on faisait l'expérience, donc sans qu'on leur indique le résultat, sur toute l'ergonomie. Parce qu'ils étaient très
impressionné, disons, nous aussi, hein, qu'on puisse mettre des petites 4 ans dans une caméra, les tenir totalement immobiles à résoudre une tâche de traitement quantitatif, donc par rapport à l'architecture, de nombres piagétiennes. Et ils ont aussi, lorsque la recherche fut finie, c'est-à-dire en décembre dernier, publié un numéro spécial sur les résultats. Alors, pour le côté humain, il faut quand même savoir que les résultats que je vous ai montrés, ben, il y a des tas de petits humains derrière qui ont fait l'expérience, qui se sont passionnés aux sciences à travers cette expérience. Et donc, ça sont tous les enfants dont vous avez vu le cerveau résumé tout à l'heure avec les changements de stade et notamment l'inhibition dans la tâche piagétienne. Tout cela est contrôlé par des règles éthiques et d'information aux enfants extrêmement précises. Donc, on fait des livrets, des posters que l'on met dans les écoles et qui expliquent aux enfants l'idée d'instrumentation, d'usage, enfin, de travailler avec un professionnel pour faire une expérience, sachant qu'au final, on mesure ce qui se passe dans leur cerveau, donc instrumentation, voir à l'intérieur de la tête l'aspect, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, un cerveau, à quoi ça sert. Donc, l'enfant est familiarisé à toute cette problématique. L'IRM est extrêmement lourde comme technologie. Vous savez que c'est une des technologies les plus puissantes en termes de magnétique. Est très lourde, très bruyante. Et pour nous, il faut que tout se passe bien, que l'enfant s'y amuse et souhaite revenir. Et mes collègues qui sont là peuvent en témoigner. Nous avons fait ensemble passer un grand nombre d'enfants dans l'IRM. La plupart d'entre eux, et on ne parvient pas à satisfaire leurs demandes, insistent pour revenir dès le lendemain, nous envoient des cartes postales pendant les vacances pour dire quand est-ce qu'on repasse dans l'IRM. Et ce n'est pas donné d'avance. Donc il y a tout un travail que l'équipe qui est présente a fait avec moi, comme vous le voyez ici, tout un travail de préparation à l'école avec un faux casque d'IRM, qui est une fausse antenne électromagnétique, un entraînement on met des bouchons dans les oreilles des enfants pour atténuer le bruit. En même temps, il faut leur donner des consignes verbales par les oreilles. Il faut qu'ils soient capables de répondre sur... Ça, c'est l'enfant juste avant d'entrer dans l'IRM, qui est une énorme cage de Faraday, comme vous l'imaginez, la pièce. Après, l'enfant va résoudre la tâche. Et lorsqu'il est exposé à la tâche, il a un boîtier réponse où il y a une perle lisse et une perle rugueuse. Pourquoi cet aspect tactile? Parce que l'enfant ne peut surtout pas bouger la tête lorsqu'il répond, ce que n'importe qui d'entre nous, un enfant, ferait spontanément. Donc on a trouvé l'idée de lisse ou rugueux pour symboliser pareil, pas pareil. Mais vous voyez qu'avec cette ergonomie qu'on a construite, vous pouvez tester tous les autres domaines de l'architecture cognitive, puisque pour le nombre, vous pouvez faire du pareil, pas pareil. Pour la catégorisation, vous pouvez faire du pareil, pas pareil. Pour une tâche de raisonnement, vous pouvez aussi très bien imaginer une réponse discriminante comme celle-là. Là, c'est l'enfant qui est dans la caméra. Si vous voyez très bien... On a l'impression qu'il n'y a personne dans la caméra, mais si, parce que les pieds, un tout petit enfant, et donc les pieds n'arrivent que là, donc il y a bien un enfant dans la caméra, nous sommes dans la salle de contrôle. Pendant la séquence anatomique, l'enfant regarde un dessin animé, pendant la séquence fonctionnelle, cognitive, il résout la tâche piagétienne. Entre les deux séquences, il voit son cerveau sur l'écran, ce qui n'est pas mesuré scientifiquement, mais qui est un phénomène de conscience réflexive important. On n'a pas tous vu notre cerveau sur un écran d'ordinateur, et surtout pas quand on avait cette tâche-là. Durant la séquence anatomique, on mesure le dessin du cerveau de l'enfant. Donc, ce que je vous ai présenté avant comme résultat, c'était du fonctionnel, comment le cerveau travaille dans une tâche logico-mathématique, mais on peut aussi voir que le cerveau de chaque enfant est dessiné différemment. Là, ce sont les sillons. Et ce que vous avez sur chaque petite ligne, c'est la façon dont un sillon du cerveau est dessiné différemment chez un enfant donné. Donc, vous avez là une vision, la grande variabilité du cerveau humain, grande variabilité interindividuelle. C'est comme les visages, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, mais dans le détail, tout est différent. Et ce que l'on est en train de faire aujourd'hui dans le laboratoire, les collègues qui viendront le visiter vendredi le verront, on a des logiciels qui sont aujourd'hui très performants, dont l'un qui s'appelle BrainVisa, et qui permettent de mettre en relation ce dessin, cette fois-ci, l'anatomie du cerveau de l'enfant, avec ses performances dans des tâches qu'il réalise à l'école. Et on trouve des liens très fort. Alors ça peut faire peur et ça peut aussi être un formidable challenge. C'est-à-dire que selon, il y a des différences interindividuelles du cerveau de l'enfant qui font que, par exemple, ils seront plus efficients ou moins efficients en grande section maternelle pour le contrôle exécutif. Ça peut quand même donner des indications pour ceux d'entre eux qui pourraient davantage bénéficier que d'autres d'une intervention pédagogique. Et on retrouve le raisonnement par rapport à la médecine que je faisais tout à l'heure, sauf qu'il ne faut pas confondre santé et éducation. Et là, c'est une démarche comparable, mais dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas malades, ils peuvent avoir des difficultés d'apprentissage. Et nous avons aussi, je pense que j'ai complètement explosé le temps et je vous prie de m'en excuser,
mais je suis en décalage horaire, comme je vous l'ai dit, c'est la seule excuse que j'ai. Nous avons publié avec Sandrine Rossi, qui est là, et Amélie Lubin, une méta-analyse en 2010 dans Developmental Science de toutes les données qui avaient été réalisées de par le monde dans les 10 années précédentes, chez l'enfant et l'adolescent, dans le domaine en vert de la lecture, du calcul en bleu et des fonctions exécutives. Et cette méta-analyse, il est vrai, était publiée il y a 2 ans et commence et est devenue, on en est très heureux, la méta-analyse de référence parce que c'était la première en neurosciences développementales pour ce qui est apprentissage scolaire, lecture, calcul et fonctions exécutives. Donc, est réutilisée dans beaucoup d'autres travaux qui commencent à être publiés pour explorer d'autres pistes. Donc, ce ne sera sans doute pas la seule, mais c'était la première, un référentiel des grandes régions qui se passent dans le cerveau. Parce que ce qui est aussi fort important, et c'est pourquoi vous organisez un colloque comme celui-ci, c'est que cette communauté scientifique communique, qu'on utilise évidemment les données des uns et des autres. On ne va pas dans chaque école refaire une expérience aussi lourde que celle qu'on a faite en imagerie cérébrale fonctionnelle. C'est le cas pour tous les autres laboratoires qui utilisent les autres domaines. Donc, on peut très facilement communiquer nos données qui, elles, peuvent guider des interventions pédagogiques nouvelles, mais dans un cadre, on va dire, tout à fait classique et économique. Je vous remercie de votre attention. C'est donc l'ensemble du laboratoire dont, pour les présents, donc Amélie Lubin, que vous avez vu passer tout à l'heure, ainsi que Sandrine Rossi et Céline Lanoë. Les autres collègues sont entre Toronto et Paris, mais vous les rencontrerez vendredi et donc n'ont pas pu venir aujourd'hui. Si vous voulez quelques lectures supplémentaires, mais qui restent très simples et qui se lient en une soirée, le Que sais-je, que j'ai écrit au PUF, qui s'appelle La psychologie de l'enfant, qui fut un grand bonheur parce que l'éditeur m'a confié la réécriture du Que sais-je de Piaget. Le Piaget est toujours publié dans la collection Quadrige, mais ce Que sais-je, disons, correspond aux idées. Enfin, un hommage à Piaget, puis une idée nouvelle que j'ai pu vous introduire. Merci.